filière nucléaire est une filière d'avenir. C'est la troisième filière aujourd'hui en France. C'est une filière qui emploie 220 000 personnes en emploi direct, près du double si on ajoute les indirects. C'est une énergie décarbonée, donc évidemment ça participe au mix énergétique. Le nucléaire, il a toute sa place, surtout si on veut un monde plus propre. C'est hyper intéressant de le visiter. Ça permet vraiment de se rendre compte que ce qu'on apprend est utile. C'est quelque chose pour moi d'indispensable. De recevoir une délégation d'étudiants qui vont demain être aux manettes de cette industrie-là, c'est fondamental. On embauche tous les jours et il est important qu'on donne envie, qu'on explique notre métier. Le nucléaire, il offre cette possibilité d'apprendre et de mettre aussi ses connaissances académiques au service de l'industrie. Nous avons de nombreux métiers passionnants sur nos centrales et nucléaires. Ça, Marcoul, c'est plusieurs dizaines d'ingénieurs qui sont et de techniciens, bien sûr, qui sont embauchés tous les ans. Si on a un peu de curiosité, si on a envie de se remettre en question, si on a envie d'apprendre des nouvelles choses, je pense que c'est une belle opportunité de rentrer dans cette filière. C'est Vélox qui m'a le plus impressionné parce qu'on est vraiment très proche de la matière en fait. C'est là aujourd'hui de voir pour de vrai des pastilles et des barres de MOX. Je sais que c'est important d'avoir des personnes de l'industrie qui viennent partager leur passion, leur métier. Ça permet aussi d'appréhender le milieu dans lequel on travaillera plus tard. We're beginning the dismantling. Ce qui est super, c'est d'avoir des échanges avec des gens qui pour tous ont une certaine appétence à venir travailler dans le milieu du nucléaire et qui finalement trouvent leur voie. Donc si on peut y contribuer un tout petit peu, c'est déjà pas mal. Formidable. Bien organisé. Frappant. Inspirant. Wonderful. Expérience. Hyper intéressant. Enrichissant.